Avant que j'entende parler de l'excision, je ne savais même pas ce que c'était. Je l'ai découvert de façon brutale. J'ai assisté à une rencontre de femmes. C'était le fun, vu qu'en Afrique, on n'a pas souvent d'informations sur la sexualité. Donc j'étais vraiment excitée de participer à ça. On parlait d'excision. Là encore, ça allait bien. J'avais des amis autour de moi. Puis à un moment donné, on demande à des filles, s'il y a des filles dans la salle qui ont été excisées, de former un groupe. Ça a été la moitié des filles qui étaient là, qui sont ramassées là. Puis moi, je voyais mes amies une à une me lâcher la main, puis aller retrouver ce groupe-là. Puis j'avais aucune idée, je me disais, ah, ok, ça, c'est quoi? Puis là, elle a fait des dessins. On a parlé vraiment toute une journée. Là, ça s'est même piqué ma curiosité. Alors je me suis dit, ok, je veux savoir c'est quoi. Là, j'ai commencé, j'ai pris un miroir, je me suis regardée. Ok, il y a quelque chose qui manque, c'est pas normal. Et puis les explications qu'elle donnait, les détails et tout ça, je me suis vue tout de suite là-dedans. Donc de voir ces femmes-là que je vivais avec, je ne savais même pas c'était quoi. Donc je venais de découvrir, enfin on me parlait vraiment réellement, c'était quoi l'excision, comment ça se pratiquait et tout. Puis là des gens que moi je fréquente me lâchaient la main puis allaient se ramasser dans ce groupe-là. Si j'en parle aujourd'hui, là, c'est pas seulement pour moi. C'est pour ceux qui peuvent pas se mettre dans la peau des gens qui le vivent. C'est important. Moi, je pourrais vivre avec un doigt coupé ou même un bras coupé. Mais se faire exciser, c'est pas pareil. Et le témoignage que j'ai écouté tout à l'heure, ça m'a comme déchirée, mais vraiment à l'intérieur. Je l'écoutais, puis je me disais, mais moi aussi, à quelque part, je suis excisée. Pas physiquement, mais dans la tête. Je veux pas, ça joue sur notre façon d'être, sur notre confiance en nous-mêmes tranquillement. C'est pourquoi il y a certaines personnes, filles, qui n'en parlent pas quand elles sont excisées parce qu'elles ont honte ou ça met mal à l'aise. Puis là, le courage qu'elle est là de venir s'asseoir devant une caméra en tant que femme noire et parler de ces choses-là parce que c'est intime. Il faut le faire. Quand on nous prend le droit d'avoir un orgasme, un plaisir, d'être ce que nous sommes, c'est une atteinte à notre dignité, à ce que nous sommes nous-mêmes. Ça prend quelqu'un comme elle pour aider les femmes à se libérer, à retrouver confiance en elle. Parce que c'est ça qu'on nous arrache. Je suis allée rencontrer le docteur Marcy Bauer qui fait la réparation. Elle travaille en coopérative avec Clitoride qui amène les femmes qui veulent se faire restaurer, qui les aident à se faire restaurer, aller au-devant de leur peur aussi. Puis là, je suis rentrée en bloc opératoire, puis je me suis réveillée. J'avais l'impression que ça a pris une minute. Je me suis réveillée, puis évidemment, il y a la douleur et tout ça. Mais il y a quand même un gros soulagement. On se dit, on l'a fait, et puis c'est fait, quoi. Quand en 2006, que j'ai entendu parler de clitoride, j'en revenais pas. Puis là, la première fois qu'on est allé dans les rues pour parler de clitoride, mais l'excitation que ça a suscité en moi de croiser des madames, leur dire, yes, on peut le réparer. Après mon opération, j'ai eu ces petits rêves, ces petits trucs que j'ai faits. Je pense que c'était ça. Ça m'a aidé à replacer beaucoup de choses, beaucoup, la confiance, beaucoup de choses. Je le sens plus physiquement, plus mentalement. Je ne sais pas comment mettre un mot là-dessus, mais je dirais que c'est. Je me sens complète, quoi. Aujourd'hui, je suis tellement fière. Les dernières années que j'ai fait en Afrique avant d'arriver ici, que j'ai vu la bâtisse, le Clitoride, l'hôpital. L'hôpital, la maison des femmes, qu'on appelle, qui est érigée, qui est construite. Ce que ça va l'apporter. Ça, c'est une victoire de gagner. Mais le combat, il continue. Parce qu'il faut informer les femmes qu'il y a un hôpital qui est ouvert, puis qui va les aider. Alors moi, je rêve toujours. J'écoutais le témoignage d'Abby. Si je suis ici aujourd'hui, parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup d'espoir. On peut faire encore plus. On peut en parler encore plus.
Tu sais, aller rencontrer ces femmes-là, dire on va se tenir par la main, puis on va tourner une page. On va s'entraider, puis on va tous se couper les boulets, là, se libérer. La sexualité, c'est pas un tabou, c'est quelque chose qui vient de nous. Puis qu'on se retrouve un jour à se reparler de tout ça, c'est sûr, il va y avoir beaucoup de larmes, que ce soit des larmes de joie. Et ça, c'est ce que Clitoride apporte.